Il y a une notion que je rappelle souvent et que c'est un message que j'ai souvent transpiré, que j'ai martelé au sein des centaines de vidéos que j'ai produites, mais qui ont toujours suivi ce fil conducteur qui était de te faire réaliser que qui dit investissement immobilier dit prise de risque. Qui dit haut rendement dit forcément une capacité à prendre un risque de plus en plus grand. Admettons, tu mets ton argent sur un livret A, c'est placé, c'est à 0,75%, il n'y a aucun risque, rien du tout. En même temps, il ne va rien se passer sur ton livret puisque l'argent va être dévalué, parce que tu perdras de l'argent à ce type de rentabilité. Il n'est pas réinvesti, il n'est pas réinjecté, il ne travaille pas finalement. À ce taux de rendement, ça ne travaille pas. Et donc, tu te laisses emporter, tu te laisses vibrer par des réussites, des success stories immobilières, et tu as envie d'investir dans l'immobilier. De faire de l'immobilier à haut rendement, moi j'ai plein de gens qui me contactent, qui contactent mes chasseurs immobiliers partout en France, du réseau Le Pro de l'Immo. D'ailleurs, on cherche des chasseurs partout en France, donc n'hésitez pas à postuler. Et si vous êtes investisseur, n'hésitez pas non plus à nous contacter. On a des chasseurs un petit peu partout en France. Parenthèse refermée. Et on a beaucoup d'investisseurs qui nous disent « Moi, je veux du 12, 13, 15, 20% net. » Mais attention, attention, je veux absolument que ce soit sûr, que ce soit loué. Comment dire sans être méchant? Tu te plantes, mon ami. Tu te plantes lorsque tu as cette idée, lorsque tu as cette imagerie que l'immobilier se fait sur un tableur Excel, que tu imagines que ça va être un placement non physique, un placement papier, un placement sécure, tu te plantes. L'immobilier n'est absolument pas un placement sécurisé. Il y a des façons d'optimiser, des façons d'avoir un bon rendement, des façons de se sécuriser par rapport à l'emplacement, la typologie du bien en corrélation par rapport au marché. Voilà, tout ça, je te l'apprends dans mes formations ou dans les événements que je fais. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais il y a une part de risque. Une fois, j'ai un de mes clients qui me dit « Mais est-ce que tu es sûr que ce sera loué ?» Et je lui ai répondu « Mais est-ce que lorsque tu as choisi ta femme, est-ce que tu es sûr que ta femme va rester toute ta vie auprès de toi ?» Non, c'est pas possible. On n'a aucune certitude. La vie est remplie d'incertitudes. Alors encore plus, la prise de risque. Plus tu veux gagner d'argent, plus tu veux une rentabilité haute, plus tu prends du risque. C'est comme sur les assurances-vie. Plus tu veux diversifier le risque, plus tu vas avoir un meilleur rendement, plus le risque de perdre tout ton argent est grand. Et bien là, c'est pareil. L'immobilier, c'est strictement la même chose. Et ça, il faut vraiment le comprendre, l'entendre, l'intégrer. Et tu dois aussi être en capacité à surtout l'accepter. L'accepter. Tu peux pas te dire je veux gagner beaucoup d'argent et je ne suis pas prêt à en perdre. C'est pas possible. Je veux gagner beaucoup d'argent et je veux rester dans mon canapé. Je veux gagner beaucoup d'argent par tel ou tel placement physique et je suis pas prêt à faire des efforts. Je suis pas prêt à porter la responsabilité de mes choix et de la vision à haut rendement que j'ai voulu à travers cet investissement. C'est impossible. Et vraiment, peut-être que tu as suivi beaucoup de mes vidéos et tu vas te dire « Mais c'est toujours quasiment le même message qui retransmet. » Parce que des vidéos sur le risque, le rapport avec l'investissement, j'en ai fait à de nombreuses reprises. Il y a une de mes vidéos d'ailleurs qui est le plus vue sur ma chaîne, qui a été « Ne fais pas d'immobilier ». Je t'invite à la revoir si tu t'imagines que l'immobilier, eh bien, c'est un placement sécurisé parce que tu t'es gargarisé de 3-4 vidéos de types qui vont te dire qu'ils ont monté un parc immobilier en l'espace de 6 mois très facilement et que ça se loue très très bien. Ça serait une grave erreur. Donc, n'oublie jamais que l'investissement, plus le rendement va être grand, plus le risque va être élevé. Tu dois l'accepter. À partir du moment où tu sais ça, ça devrait, là pour le coup, bien se passer. J'espère que cette petite vidéo, eh bien, vous aura plu. N'hésitez pas à commander le livre, mon manifeste Influence financière, il est disponible gratuitement, vous n'avez que les frais de livraison régularisés. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, c'était Hassan.